Je vais aller voir ça. Bon, l'arracheuse, ben, ils ont même pas fini de la laver. Hop, le porte-char dans le buisson, de mieux en mieux. Alors, où est-ce qu'il va être? Il doit bien y avoir quelqu'un. Ah tiens, salut. Salut! Ça va? Et toi? Ben, ma foi, ça va. Bon, dis, je venais voir. Ouais. Je voudrais, tu sais, mon vieux massé là, puis mon petit Deutz. Ouais. Je voudrais changer ça. T'aurais quelque chose à me mettre à la place? Un Une neuf et puis un ferraille? d'occase pour remplacer le massé ou quoi, tu mets un occase et puis pour le Deutz, un neuf, ça ferait du bien. Ouais, qu'est-ce que tu cherches? Ben, un avec une fourche, j'aimerais bien. Du neuf, du récent, du Oh, vieux, de la merde, de la ferraille. si t'as un occasion qui a pas trop d'heures, je veux bien. Bah, avec une fourche, j'ai ça là derrière là. Ouais, il est bien lui. Ouais, ça marche. Ouais. Ben, tu connais la bête, c'est pas tout jeune. Non, bah oui, bah, je connais bien. Mais... Après, ça marchait. Ah oui, il démarre bien. Hein. Pas de soucis. On l'a retapé un peu. Peinture en neuve. De Ouais. neuf. Ah ouais, en hydrostatique et tout, ouais. Ah bah il est pas mal. Ouais, ça va. Après. T'as moyen de me mettre un jumelage avec ça éventuellement si... Bah ouais, bien Ouais. sûr. De toute façon, tu le vois, il s'est prévu pour. Ouais, bon. Ouais, Après, c'était... c'est deux roues. Ouais, bah c'est ça. Ouais, non, mais dans la course, ça peut être bien. Bah, j'ai Puis... ça là. Alors, on ira au bureau voir le prix. Ouais, ok. T'as un Xerion en préparation là, non? Non, c'est en location. Non. C'est un truc qu'on m'a passé en essai pour le moment. Ah ouais. Et c'est de la bestiole. Ouais. Un Oh saddle bah. track là. Je tâcherai de te le prendre pour une journée, voir à quoi ça ressemble. Oh, si tu veux. Quand tu serais dans le lisier la semaine prochaine ou quoi, je Ouais. tâcherai de te le prendre. Oh, tu mets juste le gasoil et puis le reste. Est... Ouais, ben justement, j'attends ma nouvelle cuve. Là, je dois me la faire livrer la semaine prochaine. Si tu veux, si tu veux monter, Ouais. regarde un peu la bestiole. Ouais, ben je vais monter un peu, voir. Ah oui. Ah, mais devant, avec le bras, ça fait pas bizarre un peu. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien la pomper, la merde. Hein. Ouais, ben je m'en doute, mais. Bon bah écoute, bah, je verrai ça la semaine prochaine. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps de d'y regarder plus que ça. Ah ouais, bah c'est pas mal. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui est à part là en studio, un petit smart. Ah bah t'as ma faneuse qui est prête là, ça y est. Non, peut-être pas tout à fait encore. Ta faneuse, parce que j'ai trois clients qui m'en ont demandé. C'est celle-là que tu avais commandée Ouais, ou c'était elle... une Deutz, hein, j'avais commandé là en occasion Oui, récente. si. Ouais, voilà. Ouais. Oui. C'est bon, tout est fait. Graissage, tout. Les dents Ouais. sont nickel, tout. Bah, je viendrai te la chercher dans l'après-midi ou demain, quoi, ou je verrai en fin de matinée si tu t'es embauché, Ok, je viendrai y pas de prendre. problème. Bon. Tu feras attention au pivot quand même. Ouais. Ouais, ils sont un peu fragiles. Mais bon, ça dépend des séries. Donc, avec un peu de chance, t'auras pas de problème. Ok. Bon, bah, je verrai ça. Alors. Ah, tu viens de rentrer un des chômeurs, hein, dans la semaine? Ouais, c'est tout récent, ça. Ok. Bon, bah, de toute façon, je repasserai faire un tour bientôt parce que faut que je change le mien. Il est trop large pour ce que je veux faire. Ouais, écoute, de toute façon, je peux en avoir, hein, c'est pas un problème. Ouais. Bon, bah, je tâcherai de passer. Alors. Ah ouais, t'as un autre petit deux roues, ok, ouais, non, deux roues, ça m'intéresse pas de toute façon. Ouais, ben, en tout cas, je veux bien que tu me fasses un... Je veux bien que tu me fasses un prix pour le case. Pour le cas, bah Hein? écoute, on va aller voir ça, je vais vite fait au bureau Enfin, là. pour le IH, là, parce que... Ah ouais, puis c'est l'ancileuse de location, là, tu m'avais dit la dernière fois. Ouais, en loc pour le moment, mais ça sera à vendre dans pas longtemps. Ok.
Ouais, bah, je verrai. Parce que moi j'en ai pas, puis j'ai de l'ensilage à faire, donc. Mais j'ai une promo là, alors, je sais plus exactement ce que c'est. L'ensileuse, si tu achètes l'ensileuse avec toutes les coupes, Ouais. pour l'herbe, le Ouais, ça peut être maïs, bien ça. machin, plus une benne, je sais plus quoi, je te dirai ça, je l'ai sur l'ordi. Ben, tu me les as changés il y a 2 semaines, donc je sais Et pas. c'est une benne parce que c'est un pack. Ouais, d'accord. Après, on peut négocier. Tu peux faire style d'acheter la benne et puis on l'échange contre autre chose. Ok, bah ça marche. Ok. Bon, tu me fais un prix là tout de suite pour le IH? Ouais, alors je vais regarder ça. Je vais sur l'ordinateur. Si t'as moyen de me faire un bon de commande. Attends, bah, Vas-y, je fais un tour en attendant vite fait dans le parc. parce que moi je boite un peu, je me suis foutu un pète. Ah. Ah oui, il y a du beau matos neuf là. Oui bon, ça c'est de l'autre fois. Tiens, ils ont rentré un fen. Je n'en avais jamais vu là encore. Bon, on verra ça de toute façon. Parce que d'ici peu, il faudra que je change le matos. Alors. Alors, pour combien que tu me fais ça? Alors, attends, clic, clic, machin, truc, bordel. Alors, le 986, où c'est qu'il est? Putain, j'en ai, si tu veux, et du tracteur, pas de problème. Alors, le 986, bon, c'est une occasion, hein. Ouais, ben je m'en Trophée, mais doute. c'est une occasion. Je peux te l'avoir pour 14 500 euros. Oh bah ça va encore, c'est raisonnable avec la reprise de l'autre, tu me reprendras le 2 de ça en échange. Alors, ton dot, ouais, ça c'est sans reprise. Ouais. Donc, la reprise, il faut voir le prix du dot, Tu me le quoi. reprends combien? Il y a combien d'heures? 8 500 je crois. Ouais, je te reprends 5 6 000. Oh oui, oh bah ça va. Voilà, c'est Bon, ça marche. ça fait pas trop cher. Ok. Bah écoute, je repasse demain avec le chéquier, puis tu le comptes comme vendu, hein, le IH. Ok, mais ça marche, mais je te prépare Allez. ça pour demain. Ouais, t'inquiète pas, j'amènerai les bouteilles avec. Mais ça marche, pas de soucis alors. Bon, allez, impec. À Et demain alors. allez, bonne journée. Bon, bah allez, à demain. Ça marche, ciao. Hop, bon bah maintenant Titan doit peut-être bien déjà arriver à la ferme. Hop. Je pense qu'il y est déjà. On va aller voir ça tout de suite. Hop. On va aller passer le rabot dans la stabu un peu parce que ça y fera pas de mal. Puis dans les oies aussi, là, dans leur toit derrière. Je vais rentrer bien vite faire ça. Puis après on ira manger. Bon bah comme ça je vais changer le tracteur. Bon si c'était pas un IH je l'aurais peut-être pas acheté mais bon normalement c'est fiable. Puis il a pas trop d'heures son machin. Il doit avoir à peine 5 000 heures. Je vais prendre ça demain. Il est pas trop cher en plus. Pour faire ce qu'on a à faire, c'est suffisant. Alors, ah bah tiens, le voilà. Hop. Je vais garer la voiture là, que ça gêne pas trop quand même. Salut! Adieu, ça va ou quoi? Ah ouais, ça va et toi? Peut-être tranquille. Bon. Bon, bah tu pourras dire au revoir aux deux de CO massé. Hein. Ah ouais? Bah j'ai investi là, j'ai trouvé un IH là. Bon, en plus il est en hydrostatique. Donc ça va être pas mal. Ça va changer un petit peu. Ouais. Il est de l'âge du massé, hein, mais bon, c'est un petit peu plus puissant, un petit peu plus massif. Ouais. Hein, ça pourrait être sympa. Oh bah, si tu l'as pas cher, Non, non? bah, le gars il me le fait pour 14 000 sans la reprise, donc Ouf! ça va. Ça va, oui. Alors, on ira le chercher demain matin. Enfin, le truc c'est qu'il y a la cuve à fioul aussi qui arrive demain matin, mais bon, on Ah verra. oui, c'est vrai, ouais. Bon, tu m'ouvres la porte là, je vais atteler le rabot et puis Ouais, mais ok, ça Hein? marche. Bah, allez. Si tu veux, tu
À la rigueur, tu mettras la fourche, je sais pas sur quel tracteur aller, peut-être bien sur. Ouais, non, bon, je Ouais, vais me je débrouiller regarde. avec le rabot pour aujourd'hui. Si, sinon, tu prends le gaz avec la fourche. Ouais, ça marche. Hop. Ah bah en plus, il a déjà le godet impeccable pour l'usier. Tiens, qui c'est? Ah oui, d'accord, c'est le livreur, ouais, hier soir qui m'a. Il y a un gars qui m'avait appelé, il laissait son porte-char pour la nuit là et il reprendrait que demain. Parce qu'il avait nulle part où ranger, il pouvait ranger que le camion, donc il avait laissé le porte-char là hier soir. Je lui ai dit que ça gênait pas trop. Je lui avais demandé de le mettre plutôt en bas mais il a pas pu, il avait trop peur de patiner avec le camion. Puis bon, j'ai pas voulu le faire descendre là-bas. Il doit le reprendre demain. Hop. Alors. Bon, j'ai jamais passé le rabot moi là-dedans encore. Une vache qui est en train de manger. Hop. Alors, on va baisser ça. Ah ouais, bon, il n'y en avait pas beaucoup, ça va. Hop, bon, de toute façon, il va sûrement aller à la fumière à côté. On va aller vider ça là-bas. Hop. Il le reprendra au godet pour mettre dans les pendeurs. On ira mettre ça derrière les betteraves, je pense. Comment ça se fait que ça se vide pas, ça? Bon, bah ça se vide pas. C'est bon à savoir. Je sais pas faire. Ok, bah on va essayer d'aller vider ailleurs. Je sais pas si c'est titan ou est-ce que ça se vide. Je vais aller demander. Parce que j'en ai aucune idée. Peut-être à côté des oies là-bas. Bah, il est rentré dans l'instabu de toute façon. Ok. Ou ben, il me rejoindra bien là-bas. De toute façon, il m'appellera si. Bon. Que je défonce pas le porte-cher. Ouais, c'est de peur que ça se vide. Enfin, j'espère. Sinon c'est que je m'y prends pas comme il faut. C'est peut-être qu'il faut que je la remplisse à fond. Je sais pas du tout à vrai dire. Hop. On va prendre ça aux oies. Ah si, ça y est, je viens de trouver, d'accord, c'est bon. Du coup, j'en ai perdu un peu. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on le prend pour les... Parce qu'apparemment, il y en a là, mais j'arrive pas à le prendre. Excusez-moi, hein, je suis sorti un peu du roleplay, mais c'est que je sais pas du tout me servir de ce rabot. Bravo. Et je ne sais pas du tout comment on fait pour prendre dans le parc des oies. Pourquoi ils font du fumier les autres? Bah écoute, faut croire. Sans prêt pour des vaches. C'est ça. Du coup, si tu me cherches, je suis par là-bas. Ouais, mais moi j'ai un peu de mal avec tous les modes qu'il y a sur la map. Ouais.
ça bugouille un petit peu. Ouais, un peu. Ça y est, j'ai réussi à vider, c'est bon. En fait, je pouvais très bien vider là-bas, c'est juste que je m'y étais pas trop pris de la bonne manière. Alors, je vais réessayer. C'est bien marqué pourtant que c'est... J'avais regardé ça l'autre jour, que je passe pas pour un con quand même. Ah ouais, d'accord, ça s'est enlevé. Ah bon. C'est ce qu'on appelle un bug magistral. De quoi, y a plus de fumier? Non, y a plus rien en fait. Mais on va pailler, hein. Tu gardes le godet. Je vais mettre la pailleuse sur le Renault. Puis on va mettre un peu de paille. Et on va s'arrêter là, hein. C'était ouais. Pas prévu tout ça. Je comptais du coup peut-être faire un petit peu de commentaires à la fin, mais bon. On a eu quelques... Je sais pas comment ça se fait, c'est avec le multijoueur ou quoi, ça a dû bugger, ou il y a eu peut-être une mise à jour, ou je sais pas quoi. Mais... La dernière mise à jour de Belgique. Ouais, depuis on a peut-être pas regardé, n'empêche... Ouais. Non, c'est vrai. ça a peut-être pris ça à zéro. Hein. On va essayer dans les prochains épisodes de s'occuper un peu plus des oies, des veaux, de tout ça. On va essayer. Hein. C'est putain de cochon là qui me grogne dans les oreilles depuis tout à l'heure. Tiens, tu ramèneras le maximum avec la fourche. Ouais, moi je veux bien, mais je bug à mort. Ouais, bah écoute, on verra au rendu vidéo ce que ça donne. Je peux pas trop utiliser le tracteur, hein, je te le dis. Sinon, je vais faire autrement. Hein. On va y aller à la mode bourrin. Le DOT, il est considéré comme vendu. Il me le reprend pour 5-6 000 euros. Donc je vais y aller en mode bourrin, moi. Et tout ça m'a rien, quoi. Si tu me casses le matos. Non, non, rassurez-vous, en vrai, je fais pas du tout comme ça. Je bousille pas les tracteurs que je vais revendre. Ah ouais, bah moi je passe à travers les murs. C'est cool. Ouais, aussi. Pourquoi pas. Non, non, en vrai, je prends bien soin du matos, rassurez-vous. Y a-t-il des âmes charitables sur la chaîne qui voudraient pas se sacrifier pour m'offrir un ordinateur? Non, je rigole. Là, par contre, c'est quand même... Je peux t'en envoyer un par la poste, hein, j'en ai un arabe, mais bon, il est pas beaucoup mieux que le tien, je pense. Ouais. Si j'en ai changé, il y a une raison. Je viens de te voir passer avec la... botte de foin sur la cabine. Ah oui, non, bah oui, oui. Ouais, c'est pas déconné en plus. C'est évident. Et ouais, et la botte à l'extérieur de la pailleuse. Ce qui est normal. Alors, est-ce que je vais pouvoir pailler? Oh oui, je pense. Oui. Je pouvais. Là. Oh les saloperies là, on se pousse. Sinon, on vous paye la gueule. Comme ça. Voilà. Oh, quel bon. Tu serais capable de prendre le 2 de cette 10 foutues une bénette? Ouf. Puis qu'après, on s'arrête là. Je peux essayer. Sinon, je vais le faire. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Faut que tu me dégages tes potes, là, que tu m'as foutu à la concession. Ouais. Il doit y avoir un mode qui fait légèrement laguer, je pense. Ah ouais, enfin, légèrement, moi beaucoup. Non mais même pour moi c'est léger, donc je sais pas... D'habitude, autant vous dire qu'avec mon PC je ne lag absolument jamais. Donc... Eh Maurice, il faudra changer les bougies de préchauffage, hein, parce que... c'est un peu long la préchauffe. Hein. Si t'arrives à conduire. Sinon je vais te conduire. Ah oui d'accord, bon bah, je vais te conduire. De quoi? Tu roules? Vas-y. Bon bah je roule alors, tant pis. Vas-y vas-y, parce que si j'ai du mal à... Qu'est-ce que tu prends là avec ton porte-char là?
Mais je t'ai dit, c'est un routier qui l'a laissé. Il se crochait mamie lui, quoi. Bah oui, mais il pouvait pas le foutre ailleurs. Moi, je pensais pas que ça me dérangerait. Tiens, bah va donc m'ouvrir la porte au maïs en bas. Au maïs. Tu vas chercher de la graine. Ah oui, mais attends, c'est vrai, faut un godet pour ça. Je propose qu'on fasse ça en off et qu'on s'arrête là parce que je pense que la vidéo a déjà été assez longue. Non. Bon, bah tant pis, on va vous le faire. Maïs, 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 c'est là-bas. Je peux pas reculer avec la bénette direct dedans. Non, j'ai déjà essayé, ça marche pas. J'ai eu la très mauvaise idée de passer tout le matos. Hein? J'ai eu la mauvaise idée d'avoir la flemme de marcher, qui en fait me prend plus de temps qu'autre chose. Ouais, prochaine fois on va essayer de faire du fumier un peu. On va peut-être faire de l'ensilage plutôt, je sais pas, ou les deux, on va voir. Avec l'ensileuse de location. Eh ben on fera un quart d'heure d'ensilage et un quart d'heure de fumier. Voilà. On va charger un épandeur. Non, 5 minutes pour venir chercher du matos, 5 minutes Voilà. si, Je vais 10 minutes chercher le pour la... tracteur, on a la livraison de la cuve à fioul. Oh, il va y avoir du boulot. Pas falloir chômer. Et puis, bientôt un petit live. Ouais, on va essayer de faire ça. C'est en cours de développement. On vous préviendra une On vous semaine avant. fera une vidéo annonce de toute façon, ouais, une journée avant. Et puis je pense que ouais, on vous préviendra dans les vidéos précédentes. Ça remplit la bénette au moins? Ouais. Il me reste 3 kilos. Hop, allez, je vais aller mettre ça aux eaux. Oh le pauvre Dut qui met 3 tonnes au cul. Il fait 3 tonnes dans la bénette. Oui. Ah, je Un sais pas truc qui comment fait c'est 200 possible. kilos. C'est à peu près ça. Non mais dans la bénette tu mets même. Ouais allez, tu mets peut-être une tonne à tout casser et encore. Encore même pas. Hop, faut bien leur donner à manger un peu aux veaux. Putain, soit sec. Ah oui, mince, il n'y a plus d'eau non plus. Oh. Elle est où l'eau? Bah la cuve, elle est à côté de la stabu. Oh la vache, mais il en fout de la graine. Je te jure. Bon, d'accord, j'ai pris 70 oies aussi. Mais quand même. D'ici 2 semaines, ils partent à l'abattoir. Ouais, à peu près. Bah oui. Pourquoi ça veut pas se détacher, ça? Tu vas voir, moi, je vais forcer le système. Voilà. L'avantage du manuel à tête. Hein? Tu me l'as rattelé, toi? Non, mais dételle-là. C'est bon? Je peux pas la Là. dételer. Eh bien, t'as encore bougé. Bouge pas. Touche à rien. Je vais arriver à mettre de l'eau. Tu vas voir comment on met de l'eau. Si t'as pas vu, c'est spécial. Faut piger le système. Hop. Du coup, si j'ai plein de fric, vous inquiétez pas. C'est pour la très simple et bonne raison que j'avais construit donc toute une expo à la concession qui avait bouffé un tas de fric pas possible. Donc d'où la raison des 4 millions d'euros. Ça m'avait même pris plus que ça m'avait pris 10 millions, mais j'en ai enlevé. Et j'avais vraiment mis plein de matos. Ouais, sauf que t'as fait planter mon PC Voilà. et
Le tien. Non, le mien n'a pas planté. Ouais, la vidéo. Ouais. Mais la vidéo a planté. Non, avant d'arriver à faire planter mon PC avec farming, il y en a quand même pour un petit moment, je pense. Alors, tu vas voir où est-ce qu'on met de l'eau. Le bug du multijoueur. Dites-nous si les serveurs c'est... Comment dire ça? Si c'est efficace, si ça bug pas, si ça vaut le coup. Parce qu'on hésite à investir dans la chose. Alors, c'est comme ça qu'on remplit l'eau. Ah d'accord, tu peux pas voir. Attends, j'arrive, désolé. Voilà. Ah ouais, tu mets de l'eau dans la mare, quoi. Bah oui. Et maintenant, voilà, on a 5000 litres d'eau. 4 tonnes de... Enfin, ouais, d'accord, c'est tout en litres, de toute façon. Bon, 4000 de paille et puis 3000 litres de grains. 3 tonnes. Ah oui, non, on en a 50, je croyais que c'était 70. Elles vont partir à l'abattoir, de toute façon. Prochainement. Donc sur ce long épisode, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura quand même plu malgré le désordre. Et puis sur ce, on se dit à bientôt. Désolé, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires. Mettez quand même un petit commentaire parce que sur SOS9K, on lira. Parce que là-dessus, au moins, on bug pas. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît, si c'est pas encore fait. Et donc, on vous dit à bientôt. Allez, salut tout le monde. Allez, à plus tout le monde.